Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, à force de mettre les bâtons dans les roues, sur le chemin tracé par les Occidentaux pour leur candidat favori, Didier Tcham, Alassane Ouattara est en train de s'attirer des foudres. Eh oui. Vous savez, ces Occidentaux, ils ont un système où tu ne dois pas échouer. Quand on t'envoie en mission, tu n'as pas le droit d'échouer. Quand tu échoues là, on te barre. Vous voyez la France ? Comment on est en train de mettre la France à genoux par les Américains? Parce qu'elle a échoué en Afrique. Ce que vous voyez aujourd'hui, le sentiment anti-français, c'est la politique française qui est détestée. Et les gens ne veulent plus entendre parler de la France dans nos affaires politiques, économiques et monétaires, et même sécuritaires, parce qu'elle a échoué sur toute la ligne. C'est vrai, les Américains ne sont pas mieux, mais c'est leur système, c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le droit d'échouer. Et Alassane Ouattara a échoué à plusieurs reprises. Alassane Ouattara, on lui a demandé d'arrêter le Mali, les autorités maliennes, de les stopper, de les balayer, de les neutraliser. Il a envoyé 50 mercenaires, ils se sont fait arrêter là-bas. Alassane Ouattara a tenté, lui a donné les moyens pour faire un coup d'État au Burkina Faso. Il a mis 25 milliards de francs CFA, ça a échoué, il est revenu bredouille. Alassane Ouattara a voulu faire la guerre à la demande de Emmanuel Macron au Niger, ça a échoué. Alassane Ouattara a voulu changer la monnaie de l'Afrique de l'Ouest, des États de l'Afrique de l'Ouest, en écho Ouattara, Macron-Ouattara. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a échoué. Ils ont retardé les choses, mais le Nigeria n'acceptera jamais de rentrer dans ce jeu. Le Ghana non plus. Donc, là encore, Alassane Ouattara a échoué. Et qu'est-ce que Alassane Ouattara a réussi? Rien. Au point où le sentiment anti-français en Côte d'Ivoire, mais c'est grand.
puisqu'ils n'arrivent pas à contrôler la Côte d'Ivoire. Eux, ils oublient que c'est à cause de leur politique qui, c'est ce qui entraîne le sentiment anti-français. Mais bon, on met tout sur Alassane Ouattara, puisque c'est lui le président. Il faut peut-être mater, il faut peut-être tuer, il faut peut-être ceci, mais ça ne marche pas. Donc Alassane Ouattara est au pied du mur. Maintenant, il décide de changer ce que... une carte qui ne gagne pas, on doit la changer. Ils amènent Tidiane Thiam. Alassane Ouattara veut mettre des bâtons dans les roues à Tidiane Thiam. Eh bien, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent réagir. Maintenant, ils sont en train de mettre maintenant un procès de bien mal acquis. Ne soyez pas surpris d'apprendre que Madame Ouattara a été convoquée pour être entendue devant les tribunaux français. Et les biens mal acquis de la famille Ouattara. On attend seulement qu'il quitte le pouvoir pour le massacrer. Parce que il n'y a pas que les biens mal acquis. La Cour pénale internationale aussi. Peut-être qu'ils sont en train de faire juste le chantage pour que Alassane Ouattara cède la place à Thiam. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils en parlent déjà. Ils préparent même un dossier pour la Cour pénale internationale. Eh oui. Parce qu'ils savent que s'ils ne jugent pas Ouattara, eh ben, le sentiment anti-français va grandir. Et peut-être même que Tidiane Thiam ne sera pas accepté. Donc l'acceptation de Tidiane Thiam est la condition du jugement d'Alassane Ouattara. Et si on juge Alassane Ouattara, son bras de fer, le porteur d'armes, hein, celui qui a dirigé la rébellion, Guillaume Soro, il va aller où? Il va aussi partir. Et ça m'étonnerait que le Niger ne puisse pas le livrer à la justice internationale si on le demande. Parce que si le Niger ne le fait pas, eh ben il va s'attirer encore d'autres foudres inutilement. Voilà le problème. Voilà ce qui attend Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Parce que le destin de Alassane Ouattara est lié à celui de Guillaume Soro, puisque celui qui l'a mis au pouvoir, c'est Guillaume Soro. Et Guillaume Soro n'a jamais voulu parler de la complicité des Occidentaux. Donc, eh ben, il va tout prendre sur lui avec Alassane Ouattara. Et probablement même que Alassane Ouattara va mieux s'en sortir que Guillaume Soro, puisque Alassane Ouattara n'a jamais dit qu'il était à la tête de la rébellion. C'est Guillaume Soro, lui, qui a déclaré que j'étais à la tête de la rébellion. Voilà comment les choses se passent avec la France-Afrique. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui pensent que c'est un jeu. Vous voulez les intérêts, vous voulez le pouvoir, vous voulez l'argent, vous l'aurez, probablement. Mais il faut rendre les services. Voyez ce que Tshisekedi est en train de subir actuellement, c'est parce qu'on lui a donné le pouvoir contre certains engagements qu'il aurait pris, contre certains sacrifices à faire, qu'il ne peut pas faire, justement. Quand tu as la tête normale, tu ne peux pas le faire. Mais Alassane Ouattara l'a fait, Guillaume Soro l'a fait, et Tidiane Thiam va le faire. Ah oui, il a déjà fait. Là où il était en Suisse, là. On a vu, on connaît. Donc, il va le faire. Et Alassane Ouattara doit payer. Mais Alassane Ouattara sera couvert par Guillaume Soro. Comme il n'a jamais voulu parler et il ne veut pas parler, eh bien, c'est lui qui payera les pots cassés. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non, il y a pas colère. Arrêtez de suivre ces gens-là. La France-Afrique, là, c'est un très, très, très mauvais chemin. C'est l'ennemi de l'Afrique. Si vous voulez vous en sortir, si vous voulez le succès de l'Afrique, ne rentrez pas dans la France-Afrique. Oh, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les noirs du monde entier.